J'ai un petit frère qui s'appelle Antoine. Il a eu 12 ans. Des fois, il peut être très hargneux, des fois très gentil. Ça dépend des situations, ça dépend de son humeur. Il est très passionné d'oiseaux. Son grand truc, c'est la photo. Gaël, c'est mon grand frère, il a 15 ans. Il est un peu comme moi, il est passionné par la nature, par tout ce qui nous entoure, et puis il m'a montré beaucoup de choses aussi. Ça me dérange pas trop d'être plus petit que lui. Antoine, il est très patient, il est très observateur, et il aime beaucoup faire des affûts. Il en faut beaucoup pour le décourager, il est très persévérant aussi. Avec Gaël, on adore se promener dans la forêt, on est très rarement devant un écran. Des fois, il est un peu têtu, des jours, on s'entend bien, des fois pas, et puis on va chacun faire notre truc de notre côté, mais la vie sauvage, c'est une passion qu'on a en commun, et puis du coup, on se comprend assez bien, et puis c'est toujours chouette. C'est assez difficile de réussir à passer complètement inaperçu. Très souvent, les animaux nous tolèrent. Ce qui fait la beauté du monde sauvage, c'est qu'il est un peu presque inaccessible. Il y a toujours des magnifiques ambiances, des lumières. On rencontrera jamais la même scène deux fois. Tout est unique. Dessiner un hibou, ça c'est facile, mais après dessiner ce hibou avec cette lumière, avec cette attitude, avec cet esprit-là, c'est très dur. Je la trouve vachement belle. Elle est tout le temps là au village. Elle m'intéresse parce qu'elle a presque l'air d'une bête sauvage finalement. Ce
qui m'impressionne assez, c'est quand elle marche, on voit bouger les muscles, on voit qu'elle a son caractère. Elle n'a pas l'air tellement dégénérée comme certaines vaches laitières complètement qui tiennent pas debout. Je viens souvent la dessiner depuis que j'ai commencé la sculpture. Quand je fais des croquis, c'est plus un support à mémoire qu'un document en tant que tel. C'est une espèce de structure pour construire l'image dans sa tête. J'ai besoin de beaucoup de croquis pour avoir à peu près le volume. Et du coup, je viens très souvent. Je crois qu'elle me connaît bien. Elle fait pas trop attention à moi. Ça me va assez bien. Quand je sculpte, j'oublie tout ce qu'il y a autour. Pour moi, c'est un peu comme une mission. J'ai jamais suivi de cours de sculpture. En fait, au début, j'ai juste essayé. Et petit à petit, à force d'essayer, et bah, finalement, ça marche. Le bois, je pense que ça doit être ma matière préférée. C'est vivant, ça résiste au temps, ça résiste à tout. De dire que c'était un arbre avant qui poussait et puis lui redonner vie, ça a quelque chose d'assez fascinant. Tous les bois ont une odeur différente. Celui-là, c'est du noyer, ça sent très 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 fort. Et ouais, quand on sculpte, on est entouré de l'odeur du bois qu'on travaille. C'est aussi pour ça que j'aime bien cette matière, c'est vivant. J'ai toujours observé depuis tout petit les animaux sauvages, alors pourquoi pas les sculpter? Le plus difficile quand on sculpte un animal sauvage, c'est d'arriver à déjà observer l'animal pour ensuite réussir à mémoriser ou à dessiner les formes. Je pense que j'ai une assez bonne mémoire visuelle vu que j'arrive à sortir les animaux des morceaux de bois. Ça m'est pas encore arrivé de rater complètement des sculptures, mais il y a certaines parties, certains côtés de certaines sculptures qui me plaisent vraiment pas. Maintenant, j'avais pas vraiment essayé de mettre les sculptures en mouvement. C'était plutôt des animaux qui bougeaient pas. Là, en l'occurrence, c'est un chamois qui est en train de marcher en broutant. Il y a évidemment des imperfections, des imprévus. Des fois, on va trop loin. Non, si on arrivait tout de suite à avoir l'idéal qu'on s'est fixé, ben, ça servirait plus à rien. Faire ça. L'idéal finalement c'est un but qu'il faut jamais atteindre mais toujours viser.
Je repère pas mal de choses, j'aime bien regarder partout autour de moi. Et puis, il y a assez peu d'animaux qui m'échappent. Ça fait 3 ans que j'observe un petit groupe de chevreuils. Et puis, du coup, après, ils commencent à me tolérer. Ces chevreuils, ben, j'y suis très attachée parce que je les suis depuis très longtemps. Et puis, quand je vois des chasseurs qui ils essayent de les attraper, ben, je vais pas aller leur dire d'arrêter, mais j'aimerais bien. Moi, des fois, je les tolère un peu comme si c'était mes amis, mais après, ben, eux, ils me regardent toujours comme si j'étais un humain normal et pas comme si j'étais un autre chevreuil, mais des fois, j'essaye de faire comme si j'étais un chevreuil. Et puis, dans ma tête, j'essaye de me dire que je suis un chevreuil et puis que c'est mes amis. J'ai beaucoup de mal à faire ce que je vois pas. Les blaireaux que j'ai observés, j'ai passé une quinzaine de soirées à attendre jusqu'à ce qu'il fasse nuit et que je voie plus rien, alors que j'étais à quelques mètres des terriers. Et plusieurs nuits passées dehors avant de voir vraiment ce que je cherchais. Ce qui est finalement arrivé, c'est les blaireaux qui sortent le nez, j'avais jamais vu ça de près. À 2 mètres de toi, qui sortent du terrier, c'est vraiment génial. Allez, viens, Patapleu. On descend au poulailler. Patapleu, c'est un de mes animaux préférés parce que c'est un canard, alors c'est assez original. C'est vraiment l'animal que j'aime le plus. C'est beaucoup plus affectueux qu'une poule, hein. Alors je le promène un peu partout et puis on va même des fois au lac avec lui, alors il a vraiment plus de chance que les autres canards, les autres animaux et tout ça, mais c'est un peu le chouchou justement. J'espère qu'il ne va jamais finir en magret de canard, mais s'il finit en magret de canard, je crois que je serais vraiment pas content, mais je sais qu'il va pas finir en magret de canard, alors ça me rassure. Je m'intéresse depuis tout petit aux animaux. Puis on a eu un poulailler depuis que je suis née. Alors ben, j'ai passé une bonne partie de ma vie dans ce poulailler. C'est le poulailler d'un peu tout le monde, mais c'est surtout moi et ma mère qui s'en occupent. Et puis c'est vraiment un chouette coin. J'aime bien m'occuper de Patapleu, de tous les animaux, de les nourrir et de s'occuper d'eux, ramasser les œufs et tout ça. C'est pas vraiment une corvée pour moi. Je suis tranquille ici, puis ça me relâche. Par exemple, après l'école, quand je rentre de l'école, ben, je viens ici et on oublie un peu tous nos soucis. Mon style, c'est plutôt de faire des dessins humoristiques avec des animaux qui sourient, qui ont des grands yeux, qui courent un peu partout en faisant un peu n'importe quoi. Et puis qu'il y ait des interactions entre animaux qui sont rigolotes ou quelque chose pas très sérieux. Et puis bah, c'est ça que j'aime bien faire. Faire des dessins avec des animaux très précis comme mon frère, c'est pas ce que je préfère. Ma passion, c'est plutôt la photo, mais je faisais quand même beaucoup de dessins et j'en fais toujours pas mal. Et puis, j'essaye toujours d'en faire assez régulièrement pour pas perdre la main.
Ici, je viens assez souvent parce que c'est un milieu forestier, c'est pas les mêmes animaux, les mêmes oiseaux qu'on peut trouver dans un autre milieu. Il y a plein d'oiseaux comme la gelinotte des bois qui traîne par là et puis que ben, je l'ai pas encore réussi à la photographier, mais je sais qu'elle est là, je l'ai déjà vue et tout ça à cet endroit-là. C'est un endroit où il y a de la vie partout, on peut croiser toutes sortes d'animaux, on peut croiser des sangliers et toutes sortes de bestiaux. Mes parents m'ont fait découvrir, depuis que je suis tout petit, toute la vie qui nous entoure dans la nature. Et puis du coup, moi je me suis mis à la photo vers 6 ans. Et puis depuis là, j'avais un tout petit appareil, mais j'ai commencé direct à faire plein de photos de tout ce qui m'entourait, et puis plus particulièrement de la nature. Et puis depuis j'ai pas arrêté, puis je fais que ça. Je pense pas que tous les photographes animaliers s'amusent à monter dans les arbres pour faire les photos à la même hauteur que les oiseaux. Il y en a sûrement qui font la même chose que moi, même j'en connais quelques-uns qui font ça. Mais c'est une technique assez sympa pour être à la même hauteur que les oiseaux. Et puis quand les oiseaux sont là, c'est juste magnifique. On est entouré de plein d'oiseaux différents et des fois des oiseaux pas très communs. Alors là, c'est juste fabuleux. Des fois, j'ai un peu l'impression de jouer à cache-cache, mais des fois, oui, ils sont assez curieux. Ils viennent pour manger les insectes près de moi et puis ils me regardent d'un drôle d'air, comme si j'étais... Ouais, je suis une drôle de bête nouvelle dans cet arbre. Et puis après, ils continuent à picorer les insectes sur les branches. Les oiseaux, ils sont tous différents, ils ont tous une alimentation différente, ils ont tous des sens différents. Un rapace, par exemple, il a des yeux, je sais pas combien de fois plus puissants qu'un œil d'humain, c'est impressionnant. Et chacun a sa façon de se déplacer, on peut les reconnaître à une grande distance, juste par leur vol, par leur chant. Peut-être qu'un jour, j'arriverai à reconnaître la grande majorité des chants d'oiseaux qui apparaissent ici, mais pour l'instant, je reconnais les principaux. J'arrive à dire déjà pas mal, mais à chaque chant d'oiseau, j'essaye de savoir ce que c'est, et puis après, ça vient comme ça. Ici, c'est mon petit paradis. Je viens m'y réfugier quand j'ai envie de penser à autre chose. Ça fait très très longtemps que je viens là. Quand j'étais plus petit, je venais des fois en balade avec mes parents. Ici, c'est vraiment plein soleil, humide. Alors tout ce qu'il faut pour que la vie se développe, vraiment exubérante. Il y en a assez peu d'endroits comme ça. La plupart des anciens petits marais de la région ont été asséchés. Je trouve ça vraiment dommage.
C'est magique. Il y a une chouette ambiance ici avec tous les cris des insectes, les bruits de sauterelles. À chaque fois qu'on y vient, on y trouve quelque chose de nouveau. Serait-ce qu'une lumière sur une plante, un nouvel insecte. Cette araignée, ça s'appelle une épère faciée ou argiope faciée. C'est une araignée qui me fascine. Déjà, c'est une très grande araignée. Elle est très colorée. En fait, elle imite les couleurs du frelon pour pas qu'on la mange. Elle fait des immenses toiles. Plus facile à voir le matin quand il y a de la rosée sur les fils. En dessous de la toile, elle fait une sorte de zigzag avec du fil, qu'elle est la seule à faire ça, ce qui la rend unique aussi. J'ai l'impression de voir énormément de choses que les gens, même si tu leur montres, ils voient pas. Je cherche un peu à m'approprier en dessinant un morceau du monde, quelque chose que je garderai, qui restera après moi. Presque laisser un peu une trace. On part rarement très loin, mais quand on fait des voyages, c'est généralement pour trouver la nature ailleurs. Et puis, si on doit aller dans une ville, on y reste un jour maximum. Puis après, on va faire le reste des vacances dans la campagne, dans la nature, dans la forêt ou comme ça. Tu penses t'arriver à ramener un brochet que ça? Bah, je sais pas s'il me coupe pas le fil, mais j'en ai déjà ramené avec celui-là. Mais des petits? Ouais, des petits, ouais. Mais ça m'étonnerait qu'il y ait un brochet d'un mètre qui traîne par là. Non, mais 45, c'est possible. Oh, bon, ça, j'arrive à ramener. 45, la mesure. Hein, ouais. Mes parents, ils sont les deux naturalistes de formation. Alors, depuis qu'on est tout petit, ils nous montrent toutes les petites plantes, tous les insectes. Et puis, c'est comme ça qu'on a appris un peu beaucoup de choses sur la nature. Une tranche. Alors, je sais plus où j'en suis, là. Chez nous, ça a été, depuis le début, depuis leur naissance, une évidence qu'on allait transmettre ça à nos enfants. L'intérêt pour la nature, pour la faune, pour la flore. On aurait pu avoir des enfants qui s'intéressent aux jeux vidéo, mais heureusement, ça a bien fonctionné. Mais si, là-bas, il y a un castor. Je suis très surpris d'avoir des fils artistes, photographes, peintres, sculpteurs. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Beaucoup d'étonnement. Voir que maintenant c'est son fils, son propre fils, qui est déjà sollicité pour des expositions et pour des publications dans des journaux, bah ça fait extrêmement plaisir. Bon, à défaut de castor, il y a une bergeronne. Déjà bien. Ce
serait quand même un rêve d'être photographe animalier quand je serai grand parce que j'ai pas trop d'autres idées de ce que je pourrais faire plus tard, mais vu que c'est ça ma passion, et je me verrais très bien faire ça quand je serai grand, et puis ce serait un rêve de pouvoir continuer là-dedans. Un artiste, pour moi, avant tout, c'est quelqu'un qui est libre, qui fait ce qu'il veut, ou qui fait ce qu'il aime. J'aimerais bien vivre de ma passion, mais après, il faut réussir à se faire sa place au soleil, ce qui n'est pas facile. C'est un peu entre une ambition et un rêve, ouais, c'est spécial.